Que c'est bon d'être entouré de tant de beauté, de tant de talent. Bonsoir, mesdemoiselles. Avec moi, Camille alias notre connasse, Doria, Delphine et Nora. Bonsoir. Merci d'être passé. La fin de l'année, c'est aussi le moment des bilans, des carnets de notes. Et comme tout professeur qui se respecte, j'ai mes petits chouchous, ceux que je n'enverrai jamais au coin. Mais dans le passage sur ce plateau, nous en a bouché un de coin. Merci, merci, merci. Voici le meilleur du meilleur de cette 10e saison du Grand Journal. Antoine, it's Andrew Garfield. We're here to on the Spider-Man guy. We're supposed to talk about the Amazing Spider-Man 2. Antoine. What the fuck is this Antoine dude there? Do you guys think there's anything to drink? Because I'm seriously thirsty. Bonjour, qu'est-ce que je peux vous offrir? Un soda, une limonade, une bière, peut-être? He was cute. Why did you do that? Because he was speaking French. Ooh. There's only one Spider-Man, motherfuckers. Something doesn't feel right. Il y a quelque chose qui cloche avec ma chaise. Ah bon? J'ai rien remarqué. C'est pas okay. Okay. Un peu bas, okay. Non? Je vous dis la vérité? Yeah. Vous faites tout mieux que tout le monde, d'accord? Vous êtes plus beau, vous chantez mieux, vous jouez mieux. Donc c'était juste histoire de rétablir un peu l'équilibre. Voilà. Bon, allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je comprends. Bon, vous comprends. C'est bon. Bonjour Eric. Bonjour Antoine. Je vous présente Teddy. Heureusement que j'ai pas mis mon t-shirt blanc moulant aujourd'hui. Pourquoi? J'ai failli le mettre en plus. J'ai un t-shirt. Celui avec où je me sens balèze. Ah oui, avec. Avec je l'ai pas fait. Avec les bandes bleu, blanc, rouge sur la manche gauche. Bon. Ça va, Teddy? Ouais. C'est la Guadeloupe, c'est la famille. Donc ça va. Je peux vous demander une faveur? Est-ce que vous pouvez vous mettre debout tous les deux? Ça, c'est vraiment nul. Non, mais il faut mettre l'invité en confiance. C'est débile de démarrer par ça. Tu es déjà debout, c'est ça? Plutôt concours de vanne. Non. Allez, non, juste pour l'image, que je vois ce que ça donne. Lui, il se lève direct. Non, parce que je... Voilà. Non, j'exagère. Votre pire souvenir de casting tous les deux, c'est quoi? J'en ai pas mal. Non, je me souviens d'un directeur de casting un peu latino comme ça qui m'a dit: chérie, tu me fais un arbre. Alors je commence à faire une espèce de d'arbre comme ça. C'est pas mal. Il me dit: stop! Je t'ai pas dit en quelle saison. Merci, merci. Monsieur Jackson, bonsoir. Voilà. D'abord, j'ai besoin de savoir, est-ce que je vous appelle Samuel L ou Samuel? Sam, sorry. Sam? Yeah. Sam, c'est bon. Sam? Sam. Sam tout court? Sam. Yeah. Ok, Sam. Alors, on a un petit faible pour vous en France. On a tous en mémoire le personnage de Jules dans Pulp Fiction. Oui. Est-ce que juste pour le plaisir, vous nous feriez une des petites répliques? Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. Yes! « 20 seconds of Blurred Lines », my favorite song, please. If you can't hear what I'm trying to say, if you can't read from the same page. Je voudrais savoir si le jeune homme que vous étiez quand vous aviez 17 ans en 1960, est-ce que vous vous projetiez, est-ce que vous arriviez à dire dans voilà où je serai dans 40 ans? Non, non, non. Moi, je me suis est-ce que vous imaginiez une histoire pareille? Non, non, mais je n'imaginais pas avoir du succès et continuer.
Je me disais déjà, si ça marche cette année, c'est déjà formidable, on verra l'année prochaine. Et puis l'année prochaine, si je ne chante pas, je ne sais pas ce que je ferai, je ferai autre chose. Je serai peut-être acteur, que acteur, ou. Il y a 20 ans. Ou alors je travaillerai à Canal Plus, hein, peut-être. C'est la paix, c'est la paix. Nabila n'avait pas de culotte ici. Ben nous non plus. Simone Claude a-t-elle un conseil pour elle? L'important, c'est d'être propre. Rasé de près, nickel. Surveiller le maillot. Oui, c'est surveiller le maillot. Je me présente, moi c'est Marie-Christine, je suis coach de séduction. Mais exceptionnellement, ce soir, je suis pas venue pour donner des conseils, mais pour prendre des cours. Parce que là, je le cache pas, je suis fan. Mais fan, fan ambiance, je ramasse le chewing-gum, quoi. Hein. Là, je vous regarde, je suis carpette, je suis... pourtant j'ai l'habitude de prendre des coups. Mais là, c'est comme un rêve qui deviendrait réalité alors que je suis réveillée, quoi. Et, j'ai la chair, j'ai le cœur qui bat la charade. Je vous m'aime pas, c'est une touche. Oh. Derrière la porte, quoi, hein. Vous avez été élu mannequin de l'année en 2013, vous êtes l'un des modèles les plus hot, les plus importants du moment. Il paraît même, alors ça on me l'a dit, que vous avez donné un petit nom à vos seins. Est-ce que c'est vrai? Non. Everyone always is talk. Everyone always is really awkward because tout cela un petit peu bizarre. Tout simplement parce que aucune femme dans le monde n'a de seins, tout simplement. Donc moi je les appelle the ladies, donc les femmes, pour que les hommes n'aient pas peur, tout simplement. Oui, parce que sinon c'est un peu intimidant. Donc je leur dis non, ça va très bien. Je suis une femme et cela fait partie, c'est les the ladies. Alors, j'ai découvert à cette occasion que vous avez étudié aux Beaux-Arts de Rennes, que vous dessinez donc, et j'ai envie qu'on fasse un petit contest tous les deux, qu'on essaye de dessiner Louise nue, ah oui, telle qu'on pourrait l'imaginer. Vous relevez le défi ou pas? Il y a beaucoup de défis dans cette émission. Oui, il y a beaucoup de défis. Attention. Attention parce que ça va se passer en exactement 30 secondes. Ah bon? Oui. Vous êtes prêt, Frédéric? Oui. 3, 2, 1... Top. Il y avait une émission comme ça autrefois, oui, qui s'appelait Tac au Tac. Il y a très longtemps. Hein. Oui. Voilà. Ne me troublez pas parce que moi j'ai besoin d'être très concentré quand je dessine. Voilà. Je suis pas très fier. Montrez voir. Je suis pas très fier de moi. C'est pas. Ah, c'est pas mal. Oh, c'est bon. Je dis ça et je dis rien. According to Jared Leto, being in Paris is like having sex. What about you? Why do you think I keep coming back to Paris? Cette victoire en un cri. Ah yes. Nous avons parmi nous un handballeur d'exception. Mais oui, Augustin Trappenard, oui, contre toute attente. Il est double champion UNSS du 7e arrondissement. Nicolas, est-ce que vous pouvez mesurer à notre indestructible champion? Là, dans ses cages. Come on.
What's the best song for trainings? Thunder. Ah, thunder. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Qui s'est manifestement illustré hier soir face au Brésil, c'est le gardien mexicain Guillermo Ochoa qui a littéralement stoppé toutes les tentatives brésiliennes. On avait une caméra fixée sur lui pendant toute la rencontre. Regardez ce que ça donne, c'est vraiment étonnant. Cette fois, c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Max, une dernière fois, mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre, ce serait pire. Quoi, toi aussi, tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers. Moi, je le disais pour te faire réagir seulement. Toi, t'y pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines règles. On a plusieurs points communs. Moi, j'adore l'Angleterre. J'adore la pop anglaise. We love you. Je suis fan de vous depuis très longtemps. Mais la différence, c'est que vous êtes tatoué à peu près partout et que moi, j'ai toujours refusé le tatouage jusqu'à ce que j'accepte de me faire un tatouage en votre honneur. Okay. C'est vrai. Ok. All right, ok. D'accord, ok. Ah, voilà. Where? Où ça? Ah, c'est une partie un peu. Ok, ok. Antoine, 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 Antoine. Wow! Wow! Come with me, we'll attend a jubilee. See them spend their last two bits, but not the Ritz. Les filles, je vous l'avais promis. Chose promise, chose due. Il est à vous. Tout demain et devant de nous quitter la boîte à questions. Tout le monde fait sa propre version de Happy. Ok. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you feel like a room. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Voilà, voilà, voilà. Friends, here we go.